Qu'est-ce qui est le plus difficile? La patience, l'art? Le plus difficile pour moi, c'est les insectes. Oui. Il y a plus de 300 plis à mettre en place. Rendez compte, un carré au départ, c'est 80 cm. Une fois fini, il reste environ 10 cm. Donc, tous les 80% du papier, ils s'entassent les uns sur les autres, ils se cachent en dessous, etc. C'est pourquoi les insectes, c'est le plus dur de mon travail. C'est ça, environ 8 de travail quand même pour chaque pièce. C'est une véritable passion pour vous? Oh oui, j'aime beaucoup. Et surtout, j'aime beaucoup aussi les animaux. C'est grâce à tout. À travers eux, j'essaie de communiquer un message de la protection des environnements. Et le pigas, c'est mon dada. Et vous aimez ce que je me souviens, oui. Vous aimez ce que vous faites? Tout petit. D'accord. Depuis tout petit, oui. Là, en 12 ans, je commençais déjà. Et petit à petit, je découvre tous les animaux que vous avez vus. Mais seulement faire l'animal, l'expression, le mouvement, on voit les petits détails, les yeux, le bout du nez, la narine. Même si vous jetez vraiment un coup d'œil sur mes chiens, toutes les races de chiens, mais on voit en même temps, mâle ou femelle. J'ai vu le jardin d'Éden, c'est admirable. Ouais, oui, le jardin d'Éden, c'est le ça vous a le pris chouchou. Oui. Je prends plus de 800 heures de route. Oui, j'ai vu. Et les pièces minuscules, quelques millimètres de papier. Je ne vais pas vous déranger trop longtemps parce que vous avez du travail. Merci là. Je vous remercie. Je vous en prie. On va faire un petit pillage ensemble avant de séparer, quoi. Oui, parce que le nom des animaux, un peu bateau. Un souvenir pour vous. Merci, oui. Merci.